Bonjour, je suis Charles Bardou, je suis quintuple champion du monde de parcours et de compact sporting. Je suis également responsable de tous les shooting clubs de France. Donc nous allons voir aujourd'hui le tir d'un plateau rentrant, un plateau normal, qui est de diamètre 11 cm, qui est légèrement bombé de 1 cm de la marque La Porte. Plateau normal, rentrant, donc c'est un plateau qui va arriver tel que vous allez voir la surface noire du plateau quand vous allez le tirer. Donc ce qui est très important sur ces plateaux, c'est d'analyser la trajectoire. Donc, bien déterminer sa fenêtre de tir. Donc, sur un plateau rentrant en montant, la fenêtre de tir généralement se situe quand il arrive au sommet de sa trajectoire. Le plateau vient vers vous, donc vous laissez venir à vous, et dès qu'il arrive au sommet de sa trajectoire, vous remontez avec votre bras gauche votre point de mire dans le plateau. Vous ne mettez pas d'un coup ni de gestes latéraux, qu'un mouvement vertical pour monter bien votre point de mire dans le plateau. Une fois que le plateau arrive à son apogée de sa trajectoire, vous mettez le point de mire dedans et vous appuyez sur la détente. Bien évidemment, avant tout cela, vous mettez bien votre pied gauche dans la direction à laquelle vous allez tirer le plateau et vous ne précipitez pas, le plateau vient à vous, vous le laissez venir vers vous et quand il arrive au sommet, vous mettez votre point de mire plein dedans et vous appuyez sur la détente. Après la théorie et la pratique, donc on se retrouve sur le pas de tir pour mettre en application tout ce que je vous ai expliqué. Donc nous allons regarder le plateau, qui est un plateau rentrant. Nous allons bien regarder sa trajectoire pour bien déterminer sa fenêtre de tir, car il est très important sur chaque plateau de regarder sa fenêtre de tir où il est le plus vulnérable et donc le plus facile à casser. Donc on va regarder le plateau. Il part de derrière la haie, environ une quarantaine de mètres de vous. Poule. C'est un rentrant qui est très montant et on voit qu'il s'arrête quelques millièmes de seconde au sommet de sa trajectoire. C'est là où il est le plus vulnérable. Un plateau qui vient vers vous, laissez-le venir à vous au maximum, tout en respectant bien évidemment une certaine distance entre vous et lui pour ne pas le tirer trop près non plus. Là, par conséquent, il s'arrête environ 20 mètres, c'est la distance idéale pour pouvoir le tirer et il est au sommet de sa trajectoire. Donc, une fois que vous avez déterminé la fenêtre de tir, il est très important de mettre son pied gauche dans la direction à laquelle vous avez choisi de tirer le plateau. Ensuite, le fusil, sur ce plateau-là qui est un rentrant assez montant, vous mettez le canon à mi-trajectoire. Vous allez commander le plateau, vous allez le voir sous vos canons arriver, vous allez épauler dessous et avec le bras gauche, vous allez prendre sa trajectoire et dès qu'il arrive au sommet, vous allez tirer plein dedans. On va le faire à vide donc. Donc je mets le canon à mi-trajectoire, le pied gauche est bien dans la direction à laquelle je vais tirer le plateau. Je dis poule, le plateau part, je pars en dessous, je remonte dedans et dès que le point de mire est dans le plateau, j'appuie sans mouvement brusque, juste le bras gauche qui monte le fusil au plateau et bien mettre son point de mire dans le plateau quand il s'arrête au sommet de sa trajectoire. Donc je mets bien mon pied gauche dans la trajectoire, le fusil à mi-hauteur, pôle. On va le refaire une seconde fois. Pôle. J'épaule dessous, je remonte avec le bras gauche. Et dès qu'il arrive au sommet de la trajectoire, je mets le point de mire plein dedans, sans mouvement brusque, juste un tir de précision comme un peu un tir à la carabine. Paul. 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 Paul.
Donc, comme vous avez pu le constater lors de la séance, il est très important sur un plateau de déterminer sa fenêtre de tir. Une fois que vous avez déterminé la fenêtre de tir, de bien mettre son pied gauche dans la direction à laquelle vous allez le tirer. Un plateau rentrant, vous le laissez venir à vous, vous épaulez doucement et vous montez avec le bras gauche dans le plateau pour pouvoir mettre le point de mire dans le plateau quand il arrive au sommet de sa trajectoire. Pas de mouvement brusque, une épaulée douce, sans coup de bras. Prenez le temps d'épauler, de bien coller votre joue. N'oubliez pas que pour faire un bon tir, c'est tous ces petits paramètres que vous devez mettre bout à bout, même sur un plateau les plus simples tel que le rentrant. Maintenant, le bon tir également passe par un bon entraînement et n'oubliez pas surtout la sécurité. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour le tir des plateaux fuyants.